Ça, je devrais récupérer, mais tant pis. Le couvre-cadre et je fais pause, on va à la suivante. Allez, je te fais la suivante. Entre temps, j'ai remis du produit dans la seringue. Je remets les gants. Et j'ouvre. Ah, j'avais laissé un rayon de la kenyane que j'avais cassé. Ouais. Dedans, normalement, il y a du miel, mais pour l'instant, ils sont pas venus me chercher. Je vais enlever parce que si jamais j'ai besoin de mettre du candy, ça va me gêner. Il y a du vent aujourd'hui, c'est pas idéal. Mais je vais pas le faire trop tard non plus, parce que s'il y a du couvain après ça sert plus à rien. Allez, ouf, elles sont plutôt cool. Pareil, j'enlève la lanière. Les varrois. Voilà. Allez, on descend. J'ai enlevé la lanière qui est en dessous. Partout quand même, les deux étages. Alors, j'en mets un peu sur les deux étages. Je mets du produit sur les deux étages. Quand je vais arriver, donc j'en ai une ou deux qui me sautent dessus là. Non, ici il n'y a rien du tout, c'est seulement quelques abeilles, donc ça sert à rien, c'est juste des abeilles qui montent et qui descendent. Alors, je l'ai hiverné sur 3 blocs, mais bon, ça, je trouve que ça sert à rien parce qu'au final. Le bloc du bas il n'y a rien, le bloc du milieu il n'y a presque rien et elles sont toutes sur le bloc du haut. Comme elle était très populeuse, je l'avais fait sur 3 blocs, mais elles sont toutes remontées en haut. C'est pas plus mal parce qu'en haut c'est là qu'il y avait les réserves. Elles sont pas nunuches, hein, elles vont là où il y a à manger. Voilà. Je vais regarder un petit peu pour la dernière. Je vais regarder quand même s'il y a des réserves sur les côtés. Ça c'est vide. Ça pareil, celle-là je vais la nourrir. Vide. Un peu de miel en haut. Un peu de miel en haut. Un peu de moisie sur le dessus des tables. Pas terrible, ça ne me plaît pas plus que ça.
Oula, téléphone qui tombe. Là. De ventilation ça. Bon, allez. Je vais nettoyer le couvercle. Un pain de candy. J'ouvre au milieu puis je pose dessus. J'aurais dû l'ouvrir avant, hein, parce que là c'était mieux pour elle. Allez. Et maintenant, je remets le couvre-cadre, le nourrisseur. Voilà. J'enlève les abeilles qui sont dedans. Et je nettoie. Là, je fais pause et après je vais à la Kenyan. Plus compliqué la Kenyan, je vais voir comment je fais. Alors pour la Kenyan, le compliqué c'est que je n'ai jamais fait en fait. Et, pour mettre le produit, il faut que j'ouvre toutes les barrettes pour faire le dégouttement. Donc je vais essayer, si ça va pas, je ne le ferai pas. Mais, voilà. L'idée c'est de. D'essayer. Alors je sais qu'elles sont par là parce que j'ai une vitre sur le côté, je sais qu'elles sont pas là, c'est sûr. Elles doivent être par là. Alors, ce qui m'embête, c'est que pour mon nourrisseur, il est là. Et si je mettais un pain de candy, ça ferait un peu loin. Donc ça se trouve, cette barrette là, je vais la redécaler plus par là, pour qu'elle soit juste à côté du sucre, du candy. Une abeille déjà ici, c'est à dire qu'elle vient quand même jusqu'ici. Bon, allez, les freestyle, on y va. On cherche une seringue. Là, j'ai pris un bouchon. Oh, je sais pas, sinon je mettrai pas. Je sais pas, je verrai. Sinon, je le poserai directement dessus, le pain de candy. Allez, je vais faire un peu de fumée. Oh, bien que j'arrive. Faire tac tac tac. Là faut pas que je fasse tomber la grappe, c'est ça le truc. Alors, soit je décale tout, je vais faire comme ça, je vais ouvrir un peu par l'extrémité déjà pour voir. Là, y a rien. Enlever la couverture. Là, c'est de là, il n'y a rien.
zut, tu fais tomber. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. J'ai l'impression qu'avec l'hiver, les rayons sont encore plus fragiles. Avec le froid. C'est plein de nourriture, j'ai pas envie de la nourrir, hein. Franchement, les rayons, ils sont... Il y a ce qu'il faut en nourriture. Hein. Ah, y a plein de nourriture ici. C'est plein de nourriture, tout ça. Personne.